Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite avant tout un bon dimanche. Je viens par cette vidéo répondre à plusieurs messages que j'ai vus passer où vous inquiétiez parce que vous aviez investi dans du crochet tunisien et que vous ne me voyez pas faire de crochet tunisien. Alors, si vous m'avez suivi toute l'année dernière, quoi, du moins la saison septembre, jusqu'en mars-avril à peu près, mars-avril, tout ce que j'ai fait sur le crochet tunisien, je vous expliquais que j'avais un gros souci avec le crochet tunisien, c'est que j'ai beaucoup de mal, je n'aime pas, tout simplement, faire du crochet tunisien fin, voilà, je n'ai pas la patience. Dans ce cas-là, je ferai du tricot. Donc, j'aime beaucoup faire du crochet tunisien, mais avec des fils un petit peu gros. La problématique étant que l'été, nous sommes sur des cotons. Qui dit coton dit petit fil. Et qui dit petit fil dit mamie crochet ne fait pas de crochet tunisien. Voilà. Donc, par contre, là où nous sommes actuellement en train de faire des petits tops un petit peu légers, tout ça, j'ai déjà entamé, moi, mon mois de septembre et mon mois d'octobre, et il y a du crochet tunisien. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va se faire dans le bon temps, avec, alors, en plus, si c'est de la laine, en plein été, crocheter de la laine, c'est un petit peu pénible, mais entre jolis points, petit ouvrage au départ et plus gros ouvrage après, eh bien, vous aurez amplement de quoi faire. Je n'ai pas raté non plus vos messages comme quoi vous étiez très nombreuses à refaire vos décos. Sur la boutique Laine du Monde, il y a de très très jolis fils. Donc la mélange wool de Cartopu qui se marie très très bien avec la décoration un petit peu cocooning, hivernale, tout ça. Donc je vais pas rater le coche. Donc on va se retrouver à la rentrée exactement comme on faisait avant avril, avec une semaine sur deux, crochet tunisien et crochet normal le mercredi. Et bien évidemment, en plus de ça, vous aurez de temps en temps le lundi. Le lundi, ça veut dire vêtements. Et peut-être même le vendredi, ça veut dire accessoires, fait en crochet tunisien. Ma seule petite problématique, c'est que je n'ai toujours pas appris à faire, donc à retranscrire en PDF, hein, le crochet tunisien. Donc, je pense que avec les vidéos et ma façon toujours aussi lente de parler, ça vous permettra de pouvoir me suivre sans aucun problème. Donc, rassurez-vous, non, je n'ai pas laissé tomber le crochet tunisien. Je vous prépare juste en ce moment de très jolies choses et des choses que vous allez, je pense, apprécier. Il en est de même pour le cul minimum, mais tout simplement je ne peux pas rajouter des vidéos. Vous aurez peut-être une surprise à la rentrée. Donc je ne peux pas rajouter pour l'instant plus de vidéos, en plus les vacances, en plus on n'a pas très très envie de passer son temps enfermé à faire du crochet. On peut faire du crochet dehors mais de façon beaucoup plus légère que dans la saison où il fait un petit peu plus froid, automnal, hivernal. Donc je me vois obligée de diversifier un petit peu les sujets des vidéos des mercredis et des dimanches, et bien tout simplement parce que on a besoin de légèreté tant dans les fils pour le crochet tunisien, tant dans les projets, tout simplement des choses qui nous prennent pas la tête. Donc crochet tunisien, cul minimo, même combat. Le cul minimo par contre, c'est essentiellement celui qui arrive, ça sera un bracelet, donc ça sera pour l'été sans souci. Je vous avais dit que j'allais vous faire donc du cuimo plat pour vous montrer comment faire des sangles pour les sacs, des embrasses de rideaux, tout ça. Donc voilà, donc vous les aurez cet été,
ces exemples-là, mais on continuera aussi parce que le cumimo, c'est pas simplement les deux petites choses que je vous ai montrées là, mais il y a plein de choses hyper intéressantes. Et n'oublions pas que dès la rentrée, on va commencer à préparer aussi les cadeaux pour Noël. C'est dans six mois, mais il faut les préparer en amont. Donc voilà, je suis en plein dedans crochet tunisien, plein dedans cumimo, plein dedans plein de choses, plein de surprises. Voilà. Donc non, je ne vous ai pas proposé d'investir dans tout ça pour rien. Tout est sur les plannings. Si vous voyez le planning, vous attraperiez peur si déjà vous dites que vous n'avez pas 36 bras. C'est simplement des propositions et vous ferez vous ensuite que ce que vous voulez, bien évidemment. Mais au moins, il y en aura pour tout le monde. En parlant de planning, justement, du fait que je suis en train de... déjà, le planning de septembre est fini. Le planning d'octobre est pas mal commencé. Si vous aviez des idées, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, qu'il n'y a pas pour la chaîne, alors, je le dis, je le répète, pour tout ce qui est vêtements pour enfants, pour filles, par exemple, tout ce que je fais généralement en vêtements pour femmes sont adaptables du fait que je joue avec les centimètres et non pas avec le nombre de mailles. Donc, vous pouvez tout reporter en centimètres. Bien écoutez, pour des enfants, pour des adolescentes, tout simplement. Mais s'il y a d'autres petits projets qui vous tiennent à cœur, vous pouvez me faire des propositions dans les commentaires. Je lirai ça, je mettrai ça, je vais voir ça avec les filles. Qu'est-ce qu'elles en pensent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut gérer? Comment on peut gérer tout ça? Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un bon dimanche. J'espère qu'il va faire beau chez vous. Je vous retrouve demain pour un petit tuto. Je me suis régalée à le faire. Je vous garantis que c'est des tutos qui vous plaisent le plus. Donc voilà, cette semaine, il va y avoir pas mal de choses sympathiques. Donc je vous invite, n'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien abonné. N'hésitez pas à vérifier surtout que la petite cloche, parce qu'en ce moment, YouTube fait des désabonnements et puis retire les notifications. Donc n'hésitez pas à vérifier si vous êtes bien abonné, parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh, mais vous êtes là, vous n'êtes pas parti ». Non, tout simplement, c'est YouTube qui joue un petit peu avec nos nerfs, on va dire. Voilà, donc n'hésitez pas à vérifier que vous soyez bien abonné, que vous ayez bien mis la petite cloche pour être notifié pour les prochains tutos. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vais vous mettre en barre d'informations les liens vers les crochets tunisiens si vous n'étiez pas au courant, si vous êtes nouvelle sur la chaîne, si je ne sais pas. Comme ça, dans tous les cas, vous aurez des bons plans pour les crochets tunisiens. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour ce nouveau tuto.